Hi everyone, I'm Julien Haran from CIRAD at Montpellier in the south of France. I will present you today a study on the evolution and host use of a group of flower weevils. This is a collaborative work between colleagues here in Montpellier and colleagues at Durban University in South Africa. I'm now going to turn to French with the English subtitles. Donc, la tribu des Dérylomini, c'est une tribu de charançons vrais de la sous-famille des Curculionidae, qui a une distribution pantropicale qui compte dans son concept actuel à peu près 300 espèces. Alors, pourquoi on s'intéresse à cette tribu? C'est parce qu'elle a la particularité de s'être engagée dans des relations de mutualistes, de couvain, avec plusieurs lignées de plantes, les aracées, donc les aromes, les aracacées, les palmiers, les cyclantacées, les ébénacées, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une relation de mutualisme, de broussailles, de couvain? En fait, c'est que la plante met à disposition des tissus dans lesquels se développe la larve, et en retour, les adultes, en fait, vont circuler d'une inflorescence à une autre et transporter du pollen et du coup féconder, brasser les gènes de cette espèce. Donc, ce sont des systèmes mutualistes de pollinisation. Et on connaît dans ces systèmes des cas d'école comme les guêpes des figuiers, les figoises, ou les papillons des yuccas. Alors, qu'est-ce qui est intéressant chez les charançons? Qu'est-ce qui tranche en fait avec ce qui est connu chez d'autres groupes? En fait, chez ces autres groupes, donc les figuiers et les papillons des yuccas, on a des systèmes qui sont très conservés. C'est-à-dire qu'on a une lignée d'insectes qui a colonisé une lignée de plantes. Une famille botanique en particulier. Ben là, c'est pas le cas, puisque ces charançons-là, a priori, ont réussi à coloniser plusieurs plantes simultanément. Alors, deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont en, ils ont fait, visiblement, des assemblages d'espèces en sympatrie sur un même hôte. C'est-à-dire qu'on a plusieurs espèces qui, ensemble, sont sur un palmier ou un arôme et qui vont ensemble les polliniser. Ça, c'est quelque chose qui est pas très commun chez, ça existe, mais c'est pas très commun chez les autres systèmes de pollinisation, incluant de la pollinisation avec des sites de couvain. Donc, en gros, on s'intéresse à cette dynamique, savoir ce qui se passe, comment ces espèces colonisent de nouvelles hôtes. Alors, pour répondre à ces questions, on a exploré, notre groupe de trois manières différentes. La première, on a reconstruit une phylogénie du groupe, phylogénie moléculaire. Ensuite, on a reconstruit les états ancestraux, sur quelle espèce chaque insecte se développe et quels sont comment sont les états ancestraux sur ces groupes. Et enfin, on a regardé comment s'étaient constitués ces assemblages d'espèces en sympatrie sur un seul groupe. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, un petit historique sur comment est venue cette idée. En réalité, au cours d'un projet précédent, on a découvert en Afrique du Sud un nouveau genre de Dérylomini, qu'on a appelé Ebenacobus, qui se développe sur les ébénacées. Vous l'avez ici à gauche de l'écran. Il est donc associé au dicotylédone, chose qui n'était pas bien décrite pour le moment chez les Dérylomini. Alors, on l'a caractérisé morphologiquement, moléculairement, ici au milieu et à droite de l'écran, et on a démontrer qu'il se différenciait bien des Dérylomini afrotropicaux. Alors, on a révisé ce genre, il contient une vingtaine d'espèces en tout, dont 14 sont nouvelles pour la science, et on a transféré 5 espèces dans ce genre depuis le genre Dérylomus. Et en explorant la gamme d'hôtes de ce groupe, on s'est rendu compte qu'il était associé à une gamme plus large de dicotylédones, principalement des petites familles botaniques assez anciennes, les Ébénacées, Apocynacées et les Sapotacées. Et donc, du coup, nous est venue cette question, mais qu'est-ce qui fait qu'on a eu ces shifts, cette dynamique de colonisation de plantes de ces groupes, alors que ce n'était pas connu. Alors, voici notre échantillonnage pour l'étude. On a échantillonné une bonne partie de la région afrotropicale plus la région méditerranéenne. On a échantillonné quasiment l'intégralité des genres présents sur ce continent. Hein. Il ne manque que le genre Lodémérus qu'on n'a pas pu inclure. Au total, on a 40 espèces, 100 spécimens. On a échantillonné les outgroups dans les
des rélumini orientaux, néotropicaux et parmi les curculionidés. En poussant les observations de terrain, on a pu obtenir les plantes hôtes de 90% des espèces incluses, ce qui fait en tout 7 familles botaniques. Vous avez ici par exemple une des espèces de Dérylomus qu'on a retrouvée associée au Strelitzia, donc une autre famille de monocotylédones. Et l'ensemble des spécimens obtenus ont été séquencés pour 6 gènes mitochondriaux et nucléaires. Alors, en ce qui concerne les résultats, voici le résultat des analyses bayésiennes et de maximum likelihood de vraisemblance. On a obtenu des supports élevés et des arbres très similaires pour les deux reconstructions. On retrouve la monophylie de la tribu des Dérylomini au niveau afrotropical et des limites de genre qui corroborent celles qu'on reconnaît sur la morphologie. On a aussi retrouvé des distributions de clusters qui sont cohérentes avec les clusters qu'on retrouve. Alors, en ce qui concerne les assemblages de plusieurs espèces sur un seul hôte, on a deux patrons. D'un côté, en vert, des espèces sœurs qui ont divergé sur leur hôte. C'est un mécanisme qu'on a déjà présenté dans la conférence de l'année dernière. Je ne vais pas redétailler ici, mais on a une seule colonisation d'une plante hôte, puis une diversification. Et on a également des phénomènes de colonisation indépendante. Et parfois, dans certains cas, en particulier Phoenix recriminata, le palmier dattier sauvage, on a les deux mécanismes qui sont visiblement à l'œuvre. Pour ce qui concerne l'association avec les plantes hôtes et l'âge de ces relations, on a fait des analyses bayésiennes sur la base des datations bayésiennes, pardon, sur la base de calibration secondaire et des reconstructions d'états ancestraux des plantes hôtes. Donc là, je vous ai donné sur l'échelle en bas d'écran. L'âge correspond au point des nœuds et les barres d'erreur, les barres bleues horizontales. On a une diversification des Dérylomini qui est estimée datée de à peu près 40 millions d'années, et la lignée afrotropicale à peu près 30 millions d'années. Pour ce qui concerne les plantes hôtes et les états ancestraux, donc les ronds correspondent aux familles botaniques. En blanc, vous avez les Araricacées, les palmiers, et d'autres couleurs, les familles botaniques ou d'autres familles de monocotylédones. Ce que vous voyez, c'est qu'on infère un état ancestral des Dérylomini sur les palmiers, c'est déjà ce qui était proposé dans des études précédentes, et qu'on a plusieurs shifts secondaires sur des familles de dicotylédones. Alors, point intéressant, on a deux colonisations indépendantes des Ebenacées, par des lignées de Dérylomini, donc au sein du genre Dérylomus et Ebenacomus, et vous voyez ici à droite que ça a conduit à des convergences morphologiques très fortes. On a également montré que certaines colonisations de plantes hôtes avaient pu être assez récentes, avec des âges estimés entre 5 et 10 millions d'années. Donc pour conclure sur la diversification et les utilisations des hôtes par ce groupe, on a du coup bien une famille. Un tribu, pardon, qui est associé aux palmiers, aux Araricacées d'un point de vue ancestral, avec un conservatisme de niche important. Mais on retrouve des patrons dynamiques de colonisation secondaire de familles botaniques n'ayant aucun rapport avec les palmiers et appartenant aux dicotes. Et donc, du coup, on a un patron vraiment de décalage d'un état ancestral monocote vers des familles de dicotylédones. Alors, c'est pas forcément surprenant quand on voit en fait sur le terrain la structure de ces associations. Vous avez ici en photo une association de Dérylomus sur un phénix et un Euclea. Vous voyez que la forma des afflorescences, leur structure, leur forme et leurs odeurs aussi sont très convergentes. Maintenant, est-ce que c'est ces formes morphologiques convergentes qui ont fait qu'il y a eu ces shifts ou est-ce que ces morphologies sont le résultat de shifts anciens et d'adaptation de la plante à la pollinisation par des charançons, c'est quelque chose à élucider. Et je vous renvoie pour ça une présentation de Bruno qui a été faite ou qui va être faite sur la revue de toutes ces associations et les convergences morphologiques qu'on a sur les plantes. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour l'étude de ces groupes? La question qu'on se pose, c'est pourquoi les dicotylédones ont démarré, se sont engagés dans ce type de relation mutualiste.
Pas mal d'auteurs pensent que la pollinisation par des charançons, c'est un caractère ancestral, primitif. Et là, nous, ce qu'on date, on montre que non, en fait, on a des colonisations qui sont récentes, des plantes qui se sont appropriées le système de pollinisation charançon assez récemment. Et donc, du coup, il pourrait y avoir des contraintes qui poussent à aller vers ces relations qui sont autres que simplement héritées d'un système ancien. Et on se demande en particulier s'il n'y a pas des pressions de sélection en milieu tropicaux pour le développement de relations de mutualisme de couvain spécialisées, type de celles qu'on a montrées avec les charançons. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie les collaborateurs de cette étude, à la fois pour cette étude elle-même et pour l'accès au parc naturel, au permis de collecte. Et je remercie les bailleurs, à la fois privés et publics, pour leur soutien de cette étude.